Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les compléments du verbe. Nous verrons le complément direct du verbe et le complément indirect du verbe. Qu'est-ce qu'un complément du verbe? Les compléments du verbe sont des compléments qui accompagnent le verbe. Ils apportent une information sur le verbe. Pour le trouver, je dois d'abord identifier le verbe. Comment reconnaître les compléments du verbe? Ils ne sont ni déplaçables ni supprimables. Avec le verbe, ils occupent la fonction de prédicat de la phrase. Observons. Tous les matins, je bois un jus d'orange. Cherchons le verbe. Ici, c'est le verbe boire. Cherchons le sujet. Ici, c'est je. Je bois quoi? Un jus d'orange. Il s'agit bien d'un complément du verbe boire. Le groupe de mots un jus d'orange ne peut être ni supprimé ni déplacé, sans modifier le sens de la phrase. Il donne des informations sur ce que je bois. Comment identifier le complément du verbe? Je cherche d'abord le verbe, puis le sujet. Je pose ensuite une des questions suivantes tout de suite après le verbe. Qui? Quoi? À qui? À quoi? De qui? De quoi? Qui est quoi? Répondre au complément direct du verbe. À qui, à quoi, de qui, de quoi, répondre au complément indirect du verbe. Observons le complément direct du verbe. Mon père regarde le journal. Cherchons le verbe regarder, le sujet. Mon père regarde quoi? Le journal. Le journal est bien le complément direct du verbe regarder. On l'écrit aussi CDV. Dans la phrase les enfants appellent leur maman, le verbe appeler, le sujet les enfants. Les enfants appellent qui? Leur maman. Leur maman est bien le complément direct du verbe appeler. Là aussi, on l'écrit CDV. Retenons. Pour savoir s'il s'agit du groupe complément direct du verbe, je pose la question qui ou quoi? Immédiatement après le verbe conjugué. Ce groupe n'est ni supprimable ni déplaçable. Le verbe et le complément sont directement liés entre eux. Travaillons maintenant sur le complément indirect du verbe. Dans la phrase « Elle parle à ma sœur », cherchons le verbe « parler », le sujet « elle ». Elle parle à qui? À ma sœur. Ici, il s'agit bien du complément indirect du verbe parler. On l'écrit aussi CIV. Dans la phrase nous pensons beaucoup à nos vacances, le verbe penser, le sujet nous. Nous pensons à quoi? À nos vacances. Ici, c'est aussi le complément indirect du verbe penser. Prenons la phrase elle parle de ma sœur, le verbe parler, le sujet elle. Elle parle de qui? De ma sœur. C'est le complément indirect du verbe parler. Ce matin, vous profiterez du soleil, le verbe
profiter, le sujet vous. Vous profiterez de quoi? Du soleil. C'est le complément indirect du verbe profiter. Retenons, pour savoir s'il s'agit du groupe complément indirect du verbe, je pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, immédiatement après le verbe conjugué. Là aussi, le groupe n'est ni supprimable ni déplaçable. Il y a une préposition entre le verbe et le complément. Retenons que la règle est simple. On dit qu'il s'agit du complément direct du verbe quand je réponds aux questions « qui » ou « quoi » posées juste après le verbe conjugué. On l'écrit alors « CDV ». On dit qu'il s'agit du complément indirect du verbe quand je réponds aux questions « à qui », « à quoi », « de qui », « de quoi » posé juste après le verbe conjugué. On l'écrit alors CIV. Faisons un petit peu d'exercice. Identifions le complément du verbe dans chacune des phrases. Elle écoute une chanson. Elle écoute quoi? Une chanson. On a bien affaire à un complément direct du verbe. Les filles jouent au football. Elles jouent à quoi? Au football. Ici, complément indirect du verbe. J'ai la préposition à. Simon attend Antoine à la gare. Simon attend qui? Antoine. Complément direct du verbe. Tu parles de ta grand-mère. Tu parles de qui? De ta grand-mère. Complément indirect du verbe introduit par la préposition de. On y est. Tu es devenu incollable sur les compléments du verbe. Maintenant, c'est à toi. N'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Bon travail !